Pourquoi l'IPAC Forum ? Parce que je crois très très fort au fait que les gens doivent se connaître, se parler. On doit avoir l'ensemble du réseau et notamment les plus jeunes qui évidemment vont tirer profit de pouvoir voir leurs aînés et de pouvoir voir les présentations en direct. Et je pense que ça peut être un moment fort de travail et en même temps de partage. C'est un objet qui existe déjà dans d'autres formes, mais qui est composé de 4 pièces. Et là, pour réduire le prix de l'objet, on a supprimé une pièce et on a remplacé la fonctionnalité de la pièce qu'on a supprimée, on l'a intégrée directement sur le flacon. Ce pommeau rassemble une partie souple pour le consommateur, l'aspect sensoriel, le toucher doux, une ergonomie nouvelle, et un côté rigide qui permet d'avoir un conditionnement à un coût raisonnable et puis permettre l'étanchéité avec la capsule. Nous sommes très heureux de recevoir ce prix. C'est une formidable reconnaissance du travail technique et le travail d'équipe qui a été mené sur ce produit avec les différents services d'appui du groupe. This package was designed to develop a new, unique, innovative loose powder package that allowed the consumer to have an application that was consistently precise and also easy. Very simple, neat, portable and leak-proof. An innovation on the market. Sans développement packaging, on n'a pas de politique qualité, on n'a pas de politique d'achat. C'est une idée fantastique, je trouve, surtout parce que c'est très, très, très proche à l'esprit aurélien. L'esprit aurélien, c'est le réseau. Share ideas, share experiences, and get better. Just keep getting better at what we do. Une chance unique de rencontrer des gens qui font le même métier que nous, mais dans d'autres pays. It's really what we're talking about here is our people. It's not even our products. In building our people, training, making sure we have expertise in providing that, because that's our future. Le benchmarking, c'est qui est le best in class, c'est l'humilité de se dire il y a toujours quelqu'un dans un domaine même très différent de mon métier qui a une idée. Je suis convaincue qu'on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Le benchmark, c'est sûrement quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Dans la réalité des choses, on est arrivé à un point mort duquel on pourra sortir seulement grâce à l'innovation. I think when I come back to China, I can show this kind of experience to my colleagues and also bring some information to them. Très agréablement surprise sur cette IPAC Forum. Je trouve que c'est une expérience très bonne d'échange et de partage.